Ça fait 2 mois qu'on est confiné, ça fait 2 mois qu'on n'a pas roulé en scooter ou en moto. On a hâte de reprendre, mais attention à le faire avec prudence et surtout avec beaucoup de vigilance. C'est incroyable ce qu'on a vécu pendant le confinement. Des villes entières désertes, sans aucune circulation. Et là, à partir du 11 mai, tout le monde va de nouveau pouvoir bouger avec vraisemblablement une réticence pour prendre les transports en commun. Donc, on va trouver beaucoup de vélos, de trottinettes, de scooters, de motos et de voitures. Et la cohabitation va être vraiment difficile, d'autant plus que les gens vont devoir reprendre leurs automatismes. Donc, il va falloir être très, très prudent. Ça fait 2 mois que vous n'avez pas roulé, alors déjà on va regarder l'état de sa machine, bien sûr, hein, tout ce qui est pneumatique, batterie, niveau d'huile, frein, etc. Un petit tour général de la moto. Et puis il va falloir se remettre à l'aise. On a perdu en agilité, en manœuvre, en expérience, donc on va y aller tranquille, surtout de ne pas se précipiter. Après le confinement, vous avez envie de rouler en scooter, en moto pour éviter les transports en commun, on peut le comprendre, mais attention, hein, le deux roues, ça s'apprend, que ce soit sur le plan technique, mais aussi adopter un bon comportement pour pouvoir rouler en sécurité. La moto, c'est souvent une passion, ça peut être aussi utilitaire, mais dans tous les cas, il faut penser à sa propre sécurité tout en respectant les autres usagers de la route.